Yo les gens, bienvenue en Guadeloupe. Il est quelle heure ici? 22h10, heure ici, ça fait quelle heure chez nous? 4h10, bah heure, ouais, 4h10 chez nous. Je suis enfin à l'appartement, bah, ça fait un quart d'heure. C'était long, très long, enfin, récupérer la valise, la location de voiture, tout était très long. Sortir de l'avion, tout était très long. La route de l'aéroport à ici, moi je suis sur Saint-François, j'avais quand même 40-45 minutes de voiture. 45 minutes de voiture, donc voilà. L'appartement en soi, bah, je m'attendais à plus grand, sincèrement plus grand par rapport aux photos, mais bon, c'est bah, c'est une pièce, un lit. J'ai une petite terrasse où il fait une chaleur de bête. Il fait 30 degrés à 22h du soir, il fait hyper chaud. La clim, heureusement, enfin, l'appart, la petite terrasse, les chiottes par là. Bon, c'est pas grand du tout, hein. Là c'est l'espace cuisine. Ouais, c'est pas grand, hein. C'est genre une personne quoi. Le frigo, ça je suppose que là, ce que j'avais fait, ça je suppose que c'est une espèce de table pour manger dessus, mais tu manges tout seul quoi, pas à deux. Il n'y a pas spécialement d'autres tables si ce n'est sur la petite terrasse. Mais bon, en soi, ça me suffit largement. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vais prendre une douche, boire parce que j'ai soif, et puis on sait. Ouais, demain, c'est parti pour le premier vrai jour. Yo les gens, bon, voilà, c'est parti pour le jour numéro 1. Là, c'est mon appartement. Là, en fait, c'est tout des résidences, enfin, tout des espèces d'appartements ainsi. Là, il y a un petit chat. En fait, en gros, c'est. Comment on appelle ça? Un ancien complexe hôtelier, si j'ai pas de bêtises, je pense qu'il a fermé. Et tous les appartements, enfin tous les espèces de chambres, ils ont été vendus à des particuliers. Du coup, voilà. Ah, d'ailleurs, on a à vendre. En fait, c'est pas mal. Il est censé avoir une piscine, donc on a un accès direct à la plage. Mais il faut que je trouve tout ça. Je n'ai aucune idée par où c'est, peut-être par là, je ne sais pas. Du coup, là, il est 5h30 au matin, ça fait 2-3 heures que je n'ai plus dormi. Tellement qu'il fait chaud déjà. Du coup, on va explorer le coin. Déjà, le but du jour, c'est se familiariser avec le coin. Et après, faire des courses parce que j'ai la dalle, je vais rien manger. J'ai plus d'eau quasi. Du coup, c'est le bordel. Là, il y a une passerelle qui donne, je ne sais même pas où, il n'y a même pas un panneau en fait. Donc voilà, là on arrive au parking. Ah bah voilà, j'ai trouvé la piscine et la plage, la Kona seule. Ah ouais, les transats et tout. En fait, à l'époque de l'hôtel, ça devait être terrible, je pense quand même. Là, il y a comme des espaces qui sont un peu entre guillemets à l'abandon. Du coup. Ouais, c'est peut-être pas la plus belle plage, je pense. Mais bon, j'ai un. Attends, qu'est-ce qu'ils disent? Le tontard de Chris. Une épicerie. C'est bien ça. On verra si. Là, c'est ouvert tout à l'heure. Bon, là, j'explore. Ah merde, elle est fermée là, la piscine. En vrai, t'as la piscine là. T'as la mer là. Ah, là-bas, il y a quelqu'un. Putain, ça fait vraiment une espèce de club, enfin, village vacances. Tout ce que je déteste en soi. J'aime pas, moi, les trucs ainsi, normalement. Là, j'arrive où? Au Tropicool. Ouais, c'est bien, ça. Le soir, boire un petit cocktail là, en bord de plage. Ça peut être cool. Petit oiseau. Bon, étant donné que je suis juste à côté de l'appart, ça c'est très cool. Je suis à 2000 à pied de l'appartement. Donc voilà. Bon, la plage en soi, ouais.
Enceinte de sécurité, interdit de franchir la... Ok. Là, il y a quand même pas mal de vent. Hein. Mais qu'est-ce que ça fait du bien ce vent en soi? Bon, ça c'est la plage de l'hôtel entre guillemets. Ouais. Là, il y a le panneau rouge est marqué Transat réservé à la clientèle de l'hôtel. Sauf que l'hôtel n'existe plus en soi. Du coup, ouais, c'est genre finir la journée. Je pense que je peux trouver mieux comme plage. Mais en vrai, pour finir la journée, ça peut être cool. Bon, les gens, j'ai commencé à mettre mes pieds dans la flotte, non? Parce que ça commence déjà un peu à marcher dans le sable. Du coup, on va se poser là. Je retirer mes jambes. Comment elle est trop bonne. Qu'est-ce que ça fait du bien? Il y a du vent, mais je fais comme peut-être voler le drone. Ah ben voilà des petites vaches en liberté sur la plage. Enfin, à côté de la plage, quoi. Pour les gens, il est 6h30 au matin, 7h moins quart, quelque chose comme ça. Ah, on est déjà dans l'eau. Si ça, c'est pas trop cool. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne. Dans mon club med privé. Ce qui paraît, là je viens de parler vite fait avec quelqu'un et là on est complètement en hors saison. Ce qui paraît, il y a très peu de personnes même l'après-midi sur les transats et tout. Du coup, c'est royal quoi, mais bon. C'est pas l'endroit le plus beau du monde ici en soi. Après, c'est marrant, il y a une petite cabane. Là il est censé avoir une épicerie, je sais pas si c'est ouvert. Là il y a un resto, il y a la piscine. Mais bon. C'est juste à côté de l'appart. On va dire que ça dépanne quoi. Bon les gens, je suis posé là. J'attends le petit déj. J'ai pris un petit déj. Bon, c'est pas pour rien, c'est 18 balles. Mais il est 7h du matin, j'ai trop faim. J'ai rien mangé depuis hier dans l'avion. Du coup, j'ai les crocs. Là, je suis bien posé. Bord de plage, piscine. Je suis seul au monde. On va prendre le petit déj. Regardez-moi ce petit déj, des fruits, chocolat chaud, du jambon, pain au chocolat, baguette, confiture, miel, du fromage. Je vais péter le ventre. Le port de Saint-François. C'est un petit port. Il faudrait qu'un jour je vienne voir pour prendre un bateau pour partir sur une île. Putain les gens, je viens d'aller au Super U de Saint-François. Qu'est-ce que c'est cher, putain. Franchement, c'est cher la Guadeloupe. Putain. J'ai quasiment rien acheté, j'en avais pas 50 balles. Abusé. Bon, je suis à la pointe. Qu'on s'appelle Pointe des Châteaux. Ça, je m'en fous. Ah, ouais, attends, c'est beau. Ah, il y a une croix et tout. Ah, mais ça, il y a trop de vent. Je vais pas faire voler le drone, moi. C'est chier. Il faut que je revienne quand il fait. Pas de temps. Putain, c'est con qu'il y a pas mal de vent, hein. C'est un truc parfait pour faire voler le drone, là. Et s'y baigner, d'ailleurs. J'irais bien me baigner là-bas. Bah, allez, normalement, par là, j'arrive à la croix tout en haut. On va voir ça. Comment c'est beau!
c'est épuisant de monter cette marche. Il y a le tour sous 35 degrés. Terre de haut et terre de bas. Attends, donc là, donc tout à droite, là-bas. Ah bon, on les voit là-bas au bout, je pense. Je pense que celle-là, je vais les faire en bateau. Il y a des gens là-bas. C'est beau, hein, quand même. Là-bas, il y a une espèce de petit lac, mais on ne sait pas y arriver. Je sais pas si c'est dans la végétation, mais c'est compliqué. Regardez-moi comme c'est trop beau. Bon, faut que je passe. Allez, hop. Hop. Waouh, ça glisse. Yo les gens, regardez là comme on est bien. Je pose les pieds dans l'eau dans une petite mer. Super chaude. Je vais longer cette petite bord de plage, petit bord de plage, voir si je tombe sur quelque chose de sympathique. Il y a des gens qui me suivent. Bon les gens, je suis face à un dilemme, je suis là. Alors, morne citron à gauche, morne petite saline à droite, la chaise par là, moi je reviens de la chaise. Je crois que je vais faire. De toute manière, je crois que je vais faire ça. Morne citron par là. Puis je reviendrai comme ça pour arriver jusqu'au parking. Putain, il fait hyper bon, c'est super cool. Le problème, c'est l'eau, comme d'hab. Il fait quoi, 34, 35, 36 degrés peut-être. Là, ça tape vraiment. Regardez ce ciel bien bleu. Putain, regardez ce que je fais, c'est trop beau. Au plage, bon, ça sent la baignade à un moment donné, hein. Ça c'est obligatoire. J'ai trop chaud. La croix elle est là-bas, donc moi je suis garé au niveau de la croix, enfin parking en bas de la croix. C'est fort sauvage aussi, hein, la Guadeloupe, on va pas se mentir. Hein. Pourtant, je suis dans Grande Terre, c'est ça, dans Grande Terre, la partie de l'île, on va dire la moins. Sauvage entre guillemets. Bon, c'est où qu'on peut se baigner ici. Putain, ça me rappelle les plages de Nouvelle-Calédonie, ça. Désertique. Les gens, je vous jure, je pense que c'est une des plus belles, enfin des meilleures plages que j'ai fait dans ma vie. Avec la plage de Loto en Corse. Pourtant, j'ai fait les plages de Nouvelle-Calédonie. L'île des Pins. Franchement, ici c'est trop. Il n'y a quasiment personne. L'eau elle est transparente. Elle est excessivement bonne. Putain, c'est le feu. C'est le feu. Yo les gens, bon, il est 11h30. Je pense que c'est l'heure de la sieste. Parce que sans mentir, j'ai un coup de barre là. En même temps, j'ai dormi 5 heures en 2 jours de temps, donc là je commence à être claqué. Et il est 11h30, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 journées dans une journée. Du coup, pro
protection solaire là et je vais dormir une heure à la plage. Il fait extrêmement bon, extrêmement chaud. Il y a du vent mais ça fait tellement du bien que c'est l'heure de la sieste. Yo les gens, bon il est 17h15 et il fait toujours aussi beau. Toujours un peu de vent, mais il fait extrêmement beau. Bon, dans une heure et quart, le soleil se couche. Bon, je vais repiquer une tête, la dernière de la journée, je pense. Bon, je quitte la plage, il est 18h15-20 dans ces eaux-là. Il n'y a vraiment plus personne. Plus personne du tout. Il fait. Pourtant, il fait encore bon. Mais le problème, c'est que je sais plus par où je suis venu. Je pense que c'est par là-bas. Et après, je dois retrouver où je suis garé. Il y a un parking qui est en bas de la croix. Ça devrait aller. Yo les gens, bon, pour vous faire le détail des courses quand je vous dis que ça coûte cher. Donc je suis allé au Super U. Donc j'ai acheté essentiellement ça. Il n'y a pas grand chose. Une bouteille de Fanta 2 litres. Ça. Deux packs d'eau, il y en a encore un qui reste dans la voiture. Deux packs d'eau, 6 canettes de coca, 3 plats préparés. De bière, j'en ai une dans le congélo qui est en train de refroidir. J'ai acheté avec ça du PQ et des trucs ainsi. J'en ai pour 47,65€. Quand je dis que c'est cher. Le coca 5€. Le Fanta en 2 litres 3,80€. Les bières 2 fois 3,50€. 3,50€ les 6 bouteilles d'eau. Ok, le PQ 4,25€. Alors j'ai pris le moins cher. Enfin bref, abusé quoi. Les plats préparés, ça tourne entre 3€ et 4€. Donc ça va encore ça. Et les espèces de pitch là, 4,25€ pièce. Enfin le paquet quoi. Excessivement cher. Bon, je pense qu'on va arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vais me faire à manger. Et puis voilà. Allez, ciao ciao.